La rentrée scolaire est littéralement catastrophique. C'est le constat dressé par les syndicats d'éducation, dont le SNES-FSU, qui dénonce, entre autres, la communication du gouvernement qui consiste à dire que les moyens sont donnés aux enseignants, mais qu'ils n'en font rien. Regardez. On avait la nécessité de se rassembler aujourd'hui pour faire un bilan de la rentrée avant les instances nationales de la semaine prochaine. Et donc on a organisé une réunion restreinte avec une partie des collègues pour justement faire ce bilan de rentrée, avoir des gens qui viennent un peu de partout dans l'académie, alors pas des dépendances mais au moins de partout en Basse-Terre et en Grande-Terre, pour justement faire un bilan de cette rentrée qui est absolument catastrophique. On a tout simplement tiré les conséquences de ce que toute l'administration n'a pas fait en amont et que les enseignants doivent gérer aujourd'hui, c'est-à-dire une pénurie de moyens, des classes surchargées. Et donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que toutes les heures qui sont proposées par le ministère et par le rectorat pour soi-disant rattraper, nous on veut qu'elles soient utilisées dans le cadre d'un plan d'urgence pour affecter des moyens, pour que les enseignants aient de meilleures conditions de travail, pour que les élèves aient de meilleures conditions de travail et qu'on ait une chance de donner à ces élèves qui ont déjà perdu beaucoup d'heures l'année dernière de véritables moyens pour réussir cette année scolaire. Ben, le rectorat propose des moyens, mais il ne propose pas des diminutions d'effectifs. Et donc, donner des moyens quand on est 35 par classe, ça ne sert strictement à rien. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ces moyens servent à diminuer les effectifs par classe, à travailler en petit roue, à s'occuper véritablement des élèves qui sont en grande difficulté et pas à faire du saupoudrage, de l'affichage, dont le seul objectif est de dire on a donné des moyens, regardez, les enseignants ne les utilisent pas. Parce qu'à l'heure actuelle, les moyens qui sont proposés, ils sont complètement inutilisables par les enseignants. Ça risque d'être une année désastreuse si le gouvernement ne prend pas à bras le corps la situation véritable, si la rectrice ne prend pas conscience de la réalité, qu'on n'a pas d'eau dans les établissements, qu'on manque d'enseignants et qu'aujourd'hui, eh bien, il faut que les élèves aient les moyens de réussir et ces moyens, elle doit les donner en moyens humains et pas simplement en faisant du saupoudrage, de l'affichage et de la communication.